ce serait pas le dernier album de Amadou et Mariam avec Mathieu Chedid. Ça go. Est-ce que j'ai bien enregistré? Ouais, j'ai réussi. Youhou. Allez, je vous passe à l'écouteur. Nous sommes repartis pour une gag session. Plus de pression, je suis déjà Kyber. Donc... Ah, j'ai perdu l'écouteur. Revenez-moi. Aucune pression, je suis Kyber, plus besoin de faire des défis. Dans tous les cas, je n'atteindrai pas les top classements cette saison. Donc, je sais même pas si je vais faire les défis en rab pour atteindre le top 200 ou quoi, je sais pas. Mais déjà, nous avons un gros match face à cet homme. Cet homme qui est très performant en attaque. Et surtout, qui a le suprême leader, Kylo Ren, une masquette. Donc, gros combat à venir. Ça va être tendu, chaud, bouillant comme à la braise. Et donc, pour l'instant, ce monsieur n'a pas encore attaqué. Étant donné que je suis déjà Kyber, que j'ai plus de pression, je vais me permettre d'attaquer avant lui. Étant donné que, voilà, j'ai rien à perdre. Tant qu'à faire, si lui peut devenir Kyber, on va essayer d'optimiser ses chances. Donc, la première chose à faire, ce sera de s'occuper de son Kylo avant toute autre chose. Donc, son Kylo qui est là, qui est bien placé en défense. Et je vais essayer d'utiliser une technique que j'ai trouvée donc, grâce à Black Mamba. Black Mamba donc, qui a créé une strat à base de gas 5 et donc le bon Shoei pour espérer vaincre la bête. Sachant que c'est très très bien modé. Ah tiens, il a mis en vitesse. Il a pas mis en DPS. Et la bête. Donc, mode en DPS. La première chose à faire, ce sera de s'attaquer à ça. Suite à quoi, il y a une grosse Shakti avec un Rex derrière. Bon, heureusement, c'est pas le mieux modé du monde à terre. Mais... Donc là, je pense que je vais faire une technique avec Trajan, Illus et le bon Tron. Vu que là, si j'envoie pas de mets, au final, je réussirai pas à tuer 5 avant que... Enfin, je réussirai pas à tous les tuer avant que Rex et ça super et ça pourrait me faire un carnage. Donc on va essayer d'optimiser les scores. Et là, je pense que j'enverrai donc la petite Bastille. J'ai un peu baissé le son derrière. On va juste laisser ça en fond sonore. Voilà, on baisse un petit peu le son. On baisse le son des basses aussi. Donc voilà, et au-dessus après, une fois que j'aurai couché ça, si j'aurai réussi à les coucher, ce qui n'est pas sûr, donc je partirai sur ce territoire-là. Où il y a aussi des bonnes équipes, donc vraiment très bon adversaire. Réussir à avoir un GL et d'aussi bonnes équipes à son niveau, vraiment. Et respect, mec, respect. Du coup, mes défenses, je ne vous les ai pas présentées, je suis resté à peu près pareil ces derniers temps. Donc plus de pression, on peut se la jouer cool. Tac. Tac. Et ici, donc nous avons les classiques du moment. Donc des défenses qui sont quand même plutôt bonnes, sachant que j'ai un petit avantage au niveau des modules sur lui. Lui, il a le gros avantage donc d'avoir un GL. Et on va directement voir comment ça se passe contre ce GL. Donc la strat, ça va être ça. Pourquoi ? Étant donné que Shoei va immuniser au stun 5 et il immunisera aux dégâts critiques, et à chaque fois que 5 appellera Shoei, il y aura deux assists, sachant que Shoei fait des dégâts au pourcentage, donc ça peut bien m'aider. On s'assure d'être sur le bon combat et on y va cash. Et c'est parti. Donc forcément, voilà, il y a d'autres choix que de se faire stun. Là, je vais décider de partir sur lui en premier, histoire de pas trop augmenter son DPS. Là, je devrais réussir à tomber les deux.
J'aurais peut-être dû... Maintenant que j'y réfléchis, j'aurais peut-être dû mettre la super sur, sur Kylo. Bon, tant pis, on va bien voir. Double assist, s'il te plaît. Il tient plutôt bien le choc pour l'instant. Allez! Allez! Ça paraît quand même plutôt cool là. Oh là là! Oui, oui, oui! Je dis oui! 52 points face à Kylo Ren. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup Black Mamba, allez voir sa vidéo, donc c'est une vidéo où il affronte deux GA en même temps, donc c'est plutôt ouf, qui fait des très bonnes vidéos d'ailleurs, des vidéos de GA, moi j'adore, et surtout il le fait toujours avec une certaine folie dans la bonne humeur, c'est plutôt cool. Donc maintenant, c'est pas parce qu'on a gagné ce combat que c'est terminé, du coup il va falloir réussir à tomber sa Shakti pour recommencer, donc avec une bonne équipe quoi. Donc, ça, on va partir avec ça. Le but, ça va vraiment être d'éviter que Rex puisse faire sa super. Donc, il va falloir réduire ses délais un maximum. Et l'empêcher de jouer. Et ma première immunisation ira sur 5, je présume. Et Shakti, ce ne sera pas vraiment un problème, on verra ça. Alors, vraiment, là, on va réduire ces délais de 1, déjà. On re-réduit ces délais de 1. Son annihilation est donc passée à 4 tours. Je vais directement rebooster. Je vais peut-être réussir à le tomber en fait. Plus vite que prévu. Mais ça marche super bien. Donc là, prochain tour, il ne veut. Ah non. Parfait. Je peux encore essayer de regagner de la protection. Alors. Parfait. Parfait, parfait. Yeah! 54 points, parfait. J'ai bien fait d'envoyer cette team, ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Donc maintenant, cette dernière. Donc là, plutôt Bastilide, et le gros problème, ce sera elle. Qui est très bien modée d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de la ténacité? Non, pas trop. Donc premièrement, il va falloir tomber la mémère. Je vais me faire dispel là, juste après. Du coup, je vais plutôt la stun. Allez, tant pis.
Donc là, elle devrait tomber. Parfait. Parfait, 54 points. Donc là, je pense que je vais faire une petite pause pour voir un petit peu ce qui se cache derrière. Je reprendrai la vidéo après, donc après avoir fait un plan de bataille. Donc rien de trop fou. Là, je vais y aller avec donc la strat rampa, évidemment. Ça, c'est pas ouf. Ça non plus, ce n'est pas ouf. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas des nouveaux défis que j'ai pas vu, sait-on jamais. Mais donc, vous voyez, le classement n'est pas top. J'étais top 300 avant, après le placement. Enfin, top 250, un truc comme ça. Mais j'ai pas fait les défis flotte sans renfort, donc qui rapportent énormément de points. Je pourrais vraiment accéder au top 200, je pense, assez facilement. Sachant que là, il y a le défi de faire des kills donc avec des unités d'Empire, qui est plutôt tendu, il faut le dire. Et remporter des batailles dans l'arène de flotte, donc relativement simple. Donc écoutez, on fait une petite pause et je reviens. A tout de suite. Hey, c'est reparti pour la suite de cette vidéo qui pour vous... La rupture a été courte, mais pour moi, donc j'ai pris mon temps pour réfléchir un petit peu à quoi envoyer. Et donc le plan de bataille, ça va être ici d'envoyer donc mon Revan. Ici, je vais envoyer ma Shakti. Ici, je vais envoyer Padmé. Ici, je vais envoyer les restants de mon équipe Luke. Continuons. Donc, ici, je vais envoyer Wampa. Ici, je vais envoyer Empereur. Ici, je vais envoyer donc le premier ordre. Et ici, j'enverrai donc la mémère. On va commencer par ce qui peut être le combat le plus difficile, qui est celui-là. Donc, on a bien sélectionné le Grievous. Alors, dans cette configuration-là, ça peut être compliqué d'attaquer un Grievous. Avec un Revan, surtout quand il est faible comme moi. Mais en l'occurrence, ce bougre d'andouille n'a pas mis de survivance à proprement parler ici. Donc, ça fait que le B2 est tombable. Le risque, en fait, c'est que vous vous acharniez sur B2 et que donc B1 le soigne plus vite que vous ne puissiez l'attaquer. En l'occurrence, son B1 n'est pas trop rapide. Et son Grievous est drôle devant modé quoi. Donc ici on a une croix à attaque, ici on a une flèche, enfin non, triangle à attaque, flèche vitesse. Donc pas non plus tip top, mais bon, ça reste un combat compliqué. Donc c'est parti. Au début, toujours focus B2. Je vais attaquer juste en basic. Parfait. On va diminuer un peu les stacks. Donc à partir de maintenant, je peux recommencer à faire des attaques de masse pour diminuer les stacks de B1. Allez, on réduit. Allez, on regagne de la protection. Allez, il nous embête. Combien de bannières allons-nous réussir à obtenir?
Donc, on regagne encore un petit peu de protection. On va plutôt faire ça. Basique. On regagne de la protection ici. Qui... Donc lui là-bas il peut être full protection. Et là... Combien 54. C'est pas beau ça, 54. Yo-ho-ho. Donc, continuons. Là, il y a un gros droïde K. Il m'a dit comment. Donc, un gros droïde K qui peut réussir à m'embêter. Donc, lui, il va falloir réussir à le tomber le plus vite possible. Quels sont les combats les plus compliqués? Peut-être faire ça aussi d'abord, histoire de m'assurer de passer et d'utiliser au passage mon petit Wampa. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai l'icône, c'est trop cool. D'ailleurs, Nabil a fait une super vidéo où il rend hommage au Wampa. Il faut dire que c'est le créateur de cette stratégie, la stratégie que je m'apprête à vous présenter. Donc, c'est vraiment Nabil le créateur. Je ne suis que son copieur. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, le tank. Le DPS. Ah, c'est parti! Tiens, je peux attaquer qui je veux. Cool. Allez, on continue. Un gros hit qui s'apprête à arriver de la part. Ouh, j'aurais pas dû mettre le bonus, je suis bête. Du coup, j'ai augmenté son attaque. C'est pas grave. J'aurais dû le faire sur tout le monde, sauf à lui. Mais c'est pas grave. Il va se soigner, regardez comme il se soigne bien. Il prend soin de lui. Donc, on dispel là-bas. J'aimerais bien réussir à terminer full protection, là c'est pas le cas, je vais temporiser du coup. Voilà, parfait, mon bot de tambour à jouer. Et parfait, 54 points. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est cool. Du coup, ce combat peut être éventuellement risqué, donc j'ai dit la petite mémère Ray. J'aurais peut-être tenté de renvoyer en 3 en fait. Est-ce qu'il y a de la ténacité là-dessus? Le truc, c'est que mon empereur est plus faible quand même. Alors que ma Ray est plus forte. Et là-dessus, en fait, donc ça c'est fourbe, il a mis un très gros DPS, pas mal de vitesse et gros DPS sur la petite Lyra, qui peut avoir toute son utilité, il faut pas dénigrer cette équipe qui peut être sympatoche. Surtout que lui, donc sa jauge se charge de 100% quand il subit un coup critique, donc c'est clairement ce qui est espéré dans cette équipe. C'est subir un coup critique et là, bam, il fait une super assist et il envoie plein de DPS. On va s'attaquer à lui, tiens. Donc. Ou peut-être d'abord, son PO, c'est sa plus grosse équipe, peut-être. Donc, on va s'attaquer à son PO que nous allons contrôler. Control. J'ai plutôt envie de faire ça, histoire de tenter de prendre des expos. Parfait, j'en ai pris une. Je vais faire ça et je vais aller. Allez, on va essayer de prendre un stun.
Mince, le stun qui passe pas. Allez, des expos. On va essayer de regagner un petit peu de protection là quand ils vont l'attaquer. Donc tac, tac, tac. On continue. Il faudra que je me prenne une attaque là. Si je me prends une attaque, je regagne de la protection. Allez, vas-y. Oh mince, il a perdu le bonus juste avant. C'est dommage. Allez, on regagne. J'ai envie qu'il attaque une dernière fois, là, histoire d'être sûr de regagner toute ma protection. Là, je sais pas si c'est 54 ou... Oh, tant pis. 54 ou 53, suspense, 54, parfait, parfait, parfait. Je pense qu'il va avoir énormément de mal à faire aussi bien. Là, ça se présente plutôt pas trop mal. Donc, maintenant, on va s'attaquer au bas. On a dit, ici, pas de mai. Pas de mai. Donc, on tombe de coup en premier. Allez, on prend stun. Et 54 points. Mais c'est la fête aux 54. C'est la fête aux 54. C'est cool. Ici, nous avons dit Shakti. Donc Shakti, Rex, Echo. Principal problème. Là, je vais plutôt décider d'invoquer ce bougre d'andouille. Ce n'est point un problème. Donc, tu es tombé une première fois, tu es tombé une seconde fois. On va s'assurer de regagner toute la protection avant de prendre un kill. Donc, tac, on regagne toute la protection. Maintenant, on peut aller dispel et clôturer ce combat. 54 points. Parfait. Donc, là. Ça. Est-ce que je jouerai avant lui? Oui, je joue avant lui. Parfait. Et alors, on fait moins le mariole. On fait beaucoup moins le mariole, là. Parfait. Il attaque Luc. Pam. Mince. J'avais pas vu qu'il me restait une, mais ça devrait faire 54. Parfait. Ouh yeah! Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Yeah! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Alors, continuons dans cette grande arène. Décidément, j'adore le 3v3, c'est fun. Qu'avons-nous derrière? Nous avons un petit... Ah, oh, tiens, qui a la particularité d'avoir un petit bosque avec lui. Tiens, c'est original. Voyons voir son Akbar. Donc, G12. On se calme. Donc, ouais... Oh, ça rame. Oh, ça super méga rame. Excusez-moi. J'en demande peut-être un peu trop, je sais pas. Oh là là. Vous savez quoi? On va tout redémarrer. Pac, pac, pac. Alors le combat sur lequel je peux vraiment perdre des points, à mon avis, c'est le combat où j'ai prévu Empereur contre ces rebelles. Il faudrait vraiment que j'essaye d'éviter l'attaque de masse. Donc, on y retourne. Son boss, qui est niveau combien? D'accord. Allez, ça va le faire. Du coup, ça. Ça. Qu'il y a boss que j'hésite à en rajouter un dernier. C'est tentant. Allez, on va partir comme ça. Allez. Ah, j'aurais dû le focus. Quelle andouille. Mais quelle andouille. Allez, la confusion qui rentre. Que vais-je donc faire? Je vais m'éviter au cas où il y a un dispel qui arrive. On va regagner un peu de protection. Tac. On DPS pendant qu'il ne peut se protéger. Papam. Allez, un gros hit, ça c'est fait. Allez, on redonne, on recentre le DPS. Donc, immunité aux améliorations. Allez, on va essayer de partir sur lui. Parfait. Non, pas ça. Heureusement, j'avais un petit up de protection. Parfait. Parfait. Combien de points? 65. C'est pas mal. Du coup, à la suite. Ici, nous avons dit PO. Allez!
Je vais préserver son dispel. Étant donné que... voilà, juste après, il y a ça. Non, tac, et tac. Il est sous contrôle. Oh, plus que sous contrôle. Cette fois-ci, là-bas. Points. Je pense que je vais péter mon record. Hein. Et c'est parti. Donc ici, nous allons devoir tenter de prendre des frags avec Valor pour réaliser le défi. Donc, nous sommes partis. Alors là, au début, non, c'est lui qui joue en premier. Du coup, il faut que je centre le DPS, voilà, sur cette andouille-là. Allez, kill. Parfait. Donc lui, il a l'avantage de pouvoir se régénérer. Donc c'est pas un problème s'il prend des hits. Bon, c'est pas 54, mais ce qui nous fait un score total de 2479. C'est quand même plutôt cool, hein, sachant qu'il y a un Kylo Ren, une masquette, un GL et tout. Donc c'est carrément génial, et le tout torché en 34 minutes. Et d'ailleurs, un petit mot pour la fin, en parlant de Kylo Ren et Masked, j'étais initialement parti sur Rey GL, mais au vu du dernier hub qu'il y a eu sur Kylo, j'ai totalement changé de route, alors c'est dommage. J'ai perdu un peu de composants, notamment sur ces composants-là, et sur les pistolets paralysants. Mais après... vu que je stocke depuis le début, c'est pas vraiment un problème. Les matériaux demandés sont à peu près similaires pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, j'ai décidé de changer de route au dernier moment. Donc j'ai pas mal de stock, comme vous pouvez l'apprécier. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'ai ? En termes de Zeta, je suis à un nombre incalculable de Zeta. Mais qui a besoin de Zeta ? Donc, heureusement, ma strat de stockage m'a permis de changer de route en cours de route. Et je suis bien content. Enfin, alors, Rey GL est toujours totalement ouf, hein, totalement folle. Mais je trouve Kylo Ren plus fun. Et Kylo Ren permet de perf en H-sit. Alors, Rey est meilleur en défense, Kylo Ren est meilleur en attaque. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je suis plutôt un joueur offensif. Donc voilà, j'ai décidé de changer de route en cours. En plus, ce qui est bien, c'est que donc là, il y a juste le soldat site. Bon, forcément que j'ai pas trop up, mais il manque moins d'éclat de ce côté-là que du côté rebelle. Et pareil, en termes de ship, donc mon finaliseur est plus avancé que mon radius. Donc ça me fera des cristaux en moins à dépenser de ce côté-là. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à calculer le bon moment pour le faire. Donc j'ai pas mal de stock, là je suis pas très loin, je pense que si je prends les matériaux de reliques, je vous les ai pas montrés, mais imaginons je vais sur cette andouille. Donc j'ai quand même pas mal de matériaux en stock. Voilà, c'est plutôt cool. Ma strat générale de farm, donc... Là j'ai du stock pour faire des échanges, là aussi j'ai pas mal de trucs qui sont complets. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette grande arène vous aura plu. Moi, je suis très content, c'était un match... je m'attendais pas à faire autant de points. Honnêtement, je m'attendais pas à faire autant de points, mais je suis très content. J'espère que ça pourra vous servir, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou !